Bonjour tout le monde, c'est Brice toi. On se retrouve aujourd'hui pour une étude de Tsumego de niveau débutant, donc entre 30 et 20 Q. C'est au joueur noir de jouer, et il doit faire vivre son groupe. Je vais vous laisser une dizaine de secondes pour y réfléchir, mais n'hésitez pas à mettre pause bien sûr. On regardera ensuite ensemble les différentes réponses possibles du joueur noir. Je vous laisse à votre réflexion, et pour ceux qui visionneraient le short, le lien pour la suite de la vidéo est juste en bas de votre écran sous le nom de ma chaîne, et dans l'inscription également. J'en profite pour vous demander de lâcher un pouce bleu si vous appréciez la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Merci! Noir peut répondre de différentes manières que l'on va classer de A à F. Nous allons regarder chacun de ses coups, et ensuite. Commençons par A en A19. Noir obtient une forme classique en 4, appelée en T. Le point vital se situe en B18. Et comme blanc joue en premier, noir ne pourra pas faire plus d'un œil sur le lieu de capture de cette pierre blanche. Avec B en A18, on obtient une autre forme en 4, celle-ci est appelée en S. Souvent vivante, elle a cependant ici une faiblesse en B19. Car quand blanc y joue, il met en atterri la pierre noire en C19. Si noir y répond, il se retrouve alors avec une forme en 3 déjà attaquée dans son point vital en B19. Noir ne peut alors que résister avec un Ko en B18 pour sa survie. Noir peut jouer C en A17, ce pour obtenir le plus d'espace possible à l'intérieur. Il a alors une forme en 5, dont le point vital se situe ici en B18. Quand blanc y joue, noir ne peut pas résister et meurt après les suites B19, A18 ou inversement. B19, A18 ou A18, B19. Le coup D en A16 n'est pas différent car il ne permet pas à noir de sortir à cause de la pierre en B14. On pourrait imaginer que noir obtient certainement davantage d'espace qu'avec le coup C. Mais à partir du moment où l'on sait que plus tard, la pierre en A16 sera mise en atari, A17 n'est alors qu'un faux œil. Le problème se résume alors comme avec C, et blanc tue la forme en 5 en B18. Le coup E en B19 fait apparaître une autre forme en 4 appelée en L. Comme celle en S, elle est souvent vivante. Mais ici, noir a une faiblesse. Le groupe noir n'est pas tout à fait fermé, et blanc peut venir en A18, ce qui menace la connexion en A17. Noir doit alors couper au même endroit, laissant à blanc le loisir de jouer en B18 afin de tuer tout le groupe noir. Enfin, avec F en B18, noir crée deux espaces distincts. Blanc ne pouvant jouer en C18 car il serait automatiquement capturé, et le suicide étant interdit au jeu de Go, il ne peut jouer que en A17, pour réduire la forme de noir. Noir répond en A18 pour fermer son territoire, et vit avec deux yeux, un C18 et l'autre en deux espaces avec A19 et B19. C'est la fin de cette première étude de Tsumego. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et n'hésitez pas à me donner des conseils afin de toujours vous proposer du contenu de meilleure qualité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en aimant et en partageant la vidéo. Et bien sûr, en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt !